Bonjour et bienvenue à vous tous, chers collègues de la caravane des enfants APF sans handicap, partenaires, élus et auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous accueillir en direct du restaurant El Tio, tenu par Freddy, qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour cet événement qui met à l'honneur les enfants en situation de handicap. Je me présente, je m'appelle Annie Viong, je suis la représentante APF France Handicap du Loiret et de la région Centre-Val-de-Loire. Avant de vous parler de la caravane des enfants et sa mission, je vais vous présenter en quelques mots notre délégation APF du 45. Notre délégation, située au 27 avenue de la Libération à Orléans, est composée d'élus qui forment le conseil APF de département, de salariés qui viennent en appui des projets et des missions, et de bénévoles très investis. Nos principales missions sont la défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles, la rupture de l'isolement, les actions solidaires de proximité et les activités pour créer du lien social. La délégation sensibilise également au handicap dans les collèges, les lycées et bientôt les entreprises. Les élus ont des missions de représentation dans les instances comme la MDPH, la COMEX, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, les commissions d'accessibilité et bien d'autres encore. La particularité de notre association et ce qui en fait sa force est sa gouvernance par les personnes en situation de handicap elles-mêmes et non par des tiers. Dans son projet associatif « Pouvoir d'agir, pouvoir choisir », l'APF France Handicap défend la nécessité de rendre les droits effectifs et l'autodétermination des personnes, la liberté de choix pour sa propre vie. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, les enfants en situation de handicap font partie de la population à prendre pleinement en compte. Avec la caravane des enfants, notre association a décidé de leur donner la parole et de les mettre en lumière. Être enfant en situation de handicap en France relève d'un vrai parcours du combattant, que ce soit en termes d'accessibilité, de prise en charge, de scolarisation, de loisirs et d'accès à une vie sociale comme tout autre enfant. La caravane des enfants est partie le 25 mai de la Clé-Souilly dans la Seine-et-Marne et après avoir traversé 5 territoires et une trentaine de villes-étapes, terminera ce long périple le 26 juin lors de notre Assemblée Générale au Havre. Elle a pour objectif de revendiquer l'inclusion des enfants en situation de handicap, de créer du lien social avec des partenaires potentiels, de susciter des échanges sur les différents territoires parcourus et de mettre en avant les pratiques inspirantes. Cet après-midi, grâce aux témoignages et interviews, vous allez faire connaissance de ces enfants, de leurs souhaits, de leurs difficultés et de leurs espoirs. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos jeunes ambassadeurs, Rose, Enzo et Wayan, car aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont à l'honneur. À vous les enfants. Bonjour à tous. On est là pour présenter le projet Caravane des enfants. Aujourd'hui, nous allons présenter notre action trottoir. Pourquoi faire une action trottoir, une radio trottoir ? Pour recueillir l'avis subjectif de la population au sujet de l'inclusion des enfants en situation de handicap, à savoir un peu ce qu'on pense les personnes qu'on a rencontrées. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons réalisé un petit gestionnaire. Quel regard avez-vous sur le handicap ? Pour vous, c'est quoi c'est quoi l'inclusion ? Trouvez-vous que les enfants en situation de handicap sont bien inclus dans la société ? Pourquoi ? Connaissez-vous les dispositifs mis en place par la société pour favoriser l'inclusion des enfants ? Où nous sommes installés dans le hall du Carrefour Marker, du Carrefour Market pour avoir un endroit libre et être mieux installé en plein air dans la rue. Madame
Madame Marinière, le directeur du magasin, nous a accueillis et a bien voulu répondre à nos questions sur le sujet de l'inclusion. Conclusion. Nous allons vous présenter des vidéos courtes sur cette action entre chaque témoignage pour au long de la journée. Quel regard avez-vous sur le handicap ? Le regard que j'ai sur le handicap est que c'est quelque chose que quand il arrive, ça passe déjà par la famille, quoi qu'il arrive, et qu'en fait, forcément, ça va toucher l'ensemble du cercle familial. Et en fait, c'est quelque chose qui doit tous nous parler et nous tenir à cœur, quoi qu'il arrive, parce qu'on doit tous se soutenir dans ces moments-là. Pour vous, c'est quoi l'inclusion ? L'inclusion, c'est ça ? L'inclusion, normalement, c'est le... Pour moi, si je prends clairement dans le dictionnaire, c'est l'action d'inclure quelque chose dans un contrat de mémoire. Et de part de votre expérience, du coup, pensez-vous que les enfants ou les adultes en situation de handicap sont bien inclus, intégrés dans le... que ce soit dans le milieu public, comme ici, ou dans le milieu scolaire, social. Moi, je pense que aujourd'hui, on n'inclut pas assez bien les enfants ou les adultes handicapés dans notre société. Les raisons de ça, je pense que c'est pour beaucoup de personnes, c'est par méconnaissance. Ça veut dire que le handicap, quand vous n'êtes pas concerné, vous n'y intéressez pas ou peu ou pas, à tort, hein, bien sûr. Dans tout ce qui est VIP, enfin, tout ce qui est entreprise, tout ce qui est magasin, tout ce qui est accès extérieur et tout, faut qu'on aille plus loin, ça c'est évident. Et après ça va beaucoup dépendre aussi de, pour moi, tout ce qui est enfant, c'est au niveau des accompagnements, c'est ça qui va être important, l'accompagnement des enfants, le fait que les parents, qui est-ce qu'ils vont pouvoir rencontrer pour se faire aider, etc. C'est ça qui va être important, qui va permettre à l'enfant de pouvoir déjà être davantage accompagné. Connaissez-vous des dispositifs mis en place par la société pour favoriser l'inclusion de ces enfants ? Particulièrement non, mais après je sais qu'il y a plusieurs, mais c'est beaucoup d'associations qui peuvent aider les familles à surmonter les handicaps, quels qu'ils soient. Et aussi, c'est les pouvoirs publics. Je sais que notamment au niveau du département, il y a pas mal de choses qui sont faites en place. Après, je sais que à vous, par l'APF, vous faites également beaucoup de choses. Je pense qu'on peut tous aller beaucoup plus loin et nous-mêmes dans les magasins comme les nôtres. Merci d'avoir répondu à ces questions. Je vous en prie, ça va ? Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Vas-y. Je m'appelle Marianne Arisneau, j'ai 17 ans. Moi, je m'appelle Jimmy Di Giulio, j'ai 17 ans. Moi, je m'appelle Léna Meno, j'ai 16 ans. Que faites-vous au quotidien ? On est en inclusion, j'aime la source, dans un milieu ordinaire, enfin, Dynamo. Quelles sont vos intentions inclusives ? Professionnelles. Des stages au milieu professionnel. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans votre inclusion ? Là je suis en stage. Là il me reste un mois et j'ai signé un contrat d'apprentissage à Sodexo. Les difficultés, c'est plus les choses qu'ils nous demandent.
C'est pas la même chose quand t'es en cours et que t'es en stage. Quelles sont les principales réussites de votre action dans l'inclusion? C'est plus de se mettre dans le rang, s'habituer à beaucoup de choses qui changent. Mais après, il faut réussir et pas baisser la tête. C'est toujours remonter pour réussir dans sa vie. Pour vous, c'est quoi l'inclusion? C'est-à-dire dans le milieu scolaire. Dans le milieu scolaire. Dans le médical. Alors, pour les gros handicaps, il faudrait des écoles spécialisées pour eux. Après, on peut avoir un handicap et ça peut être des enfants normaux comme nous, enfin comme vous. Et pensez-vous que les enfants en situation de handicap sont bien... inclus dans la société, aussi bien dans le milieu familial, social, public Non, il y en a, ils sont vraiment délaissés, je pense. Il y a beaucoup d'enfants handicapés délaissés. Connaissez-vous des dispositifs mis en place pour favoriser l'inclusion des enfants? Non, du tout. Non? Non. Okay. C'est bon? C'est la fin en fait, il n'y a pas de questions. Merci à vous. Bonjour. Avez-vous des Léna. Léna. Alors Léna, est-ce que tu veux nous dire ce que ça fait de participer à cet après-midi avec les autres enfants? J'étais contente de venir. D'accord. Oui, j'étais contente. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ta vie, dans ton là où tu es actuellement? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu fais aussi des balades à l'extérieur? Comment ça se passe pour toi? Je suis chez mes parents. D'accord. Je suis à l'IME depuis presque un an. D'accord. Je vais faire mon stage en petite enfance l'année prochaine, en septembre. Ok, super. Voilà. Donc tu vas mettre presque un pied dans le monde du travail alors. Oui. D'accord. D'accord. Et si tu avais un souhait, un rêve, quelque chose que tu aimerais bien réaliser, que tu n'as pas encore fait jusqu'à présent, qu'est-ce que ce serait? D'être... faire ma formation en petite enfance. D'accord. Que j'aimerais bien faire. Mm-hmm. Et voilà. D'accord. D'accord. Donc, Léna, formatrice pour la petite enfance, ouais. C'est ça? Eh bien, écoute, c'est ce qu'on va te souhaiter, hein, pour le futur, en tout cas. Merci. Très bonne chance à toi. Merci. Tu veux nous reparler un petit peu de toi, de ce que tu fais dans ton IME, si tu veux? Oui. Alors, vas-y, on t'écoute. Alors, moi, je suis à l'IME depuis cette année. J'ai fait beaucoup de stages au milieu ordinaire. D'accord. Il y en a que j'ai beaucoup prolongé, que j'ai réussi à travailler pour eux. Mm-hmm. Et puis là, je suis à Sodexo. Ça fait presque
2-3 mois que je suis là-bas. Mm-hmm. Et j'ai une petite réunion avec eux et je signe mon contrat d'apprentissage pour le mois de septembre. C'est bien ça. Voilà. Donc je serai plus à l'IME, mais je serai dans une autre école. D'accord. Ok. Donc toi aussi, tu as un pied dans le monde du travail et tu vas pouvoir travailler à la Sodexo. Hein, c'est bien ça. Oui. D'accord. D'accord. Ton prénom, c'est comment ? Mariana. Mariana. Donc Mariana. Voilà. Et alors Mariana, je vais te poser la même question qu'à Léna. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire ? Quelque chose que tu n'as pas encore réalisé dans tes rêves ? Ben, je voudrais bien réussir mon apprentissage pendant D'accord. 2 ans. Okay. Et puis après, peut-être travailler avec des vrais employeurs. Avec des vrais employeurs, voilà. D'accord. Et parmi les difficultés que tu rencontres au quotidien, je parle là de... On ne va pas parler d'inclusion, mais dans le monde du travail, qu'est-ce qui est le plus difficile ou le plus facile, on va dire ? Bah, le plus dur, c'est que c'est différent. Parce que quand tu es à l'école, oui. Que tu travailles entre tes camarades, c'est mieux. Oui. Mais quand tu... Bah, moi, je suis en cuisine et D'accord. dans les cuisines, c'est un peu grand. Ouais. Il faut tout savoir, il ne faut pas vraiment se tromper, mais on a plus de droits. Mmh. Et qui est plus facile, bah, il faut juste s'adapter et trouver un juste milieu pour réussir les stages. D'accord, d'accord, ouais. d'accord. Et c'est vrai qu'il y a des responsabilités, il y a des habitudes de travail, il y a les collègues. Et tout ça, il faut gérer tout ça au quotidien, c'est sûr. Mmh. Oui. Ah, très bien, très bien. Eh bien, écoute, merci pour ton témoignage qui était très intéressant. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait témoigner ? Il y avait un petit jeune homme avec vous. Il est parti, le petit jeune homme ? Il est parti. Il est parti. Oui. D'accord. Ben voilà. Ben merci à toutes les deux, en tout cas. Merci. Je peux passer une vidéo, si vous voulez. Mmh. D'accord. Donc, un nouveau micro-trottoir. Ok. Pour vous, c'est quoi l'inclusion ? C'est de permettre à une personne qui a un handicap de vivre tout à fait normalement auprès d'autres enfants, dits normaux. Et pensez-vous que les enfants en situation de handicap sont bien intégrés dans la société, aussi bien que dans leur vie familiale, leur vie scolaire, publique, les aménagements, tout ça ? Je pense qu'il y a toujours mieux à faire et la preuve en est, c'est que vous avez une opération aujourd'hui pour que ce soit davantage traité comme sujet dans la société d'aujourd'hui. Ben, merci. Ça vous convient ? J'ai une dernière question. Connaissez-vous des dispositifs mis en place par la société pour favoriser l'inclusion des enfants ? J'ai pas entendu. Connaissez-vous des dispositifs mis en place par la société pour favoriser l'inclusion des enfants ? Alors, je connais les classes d'inclusion. Et alors, après, je ne suis pas une professionnelle, mais j'ai entendu parler de certaines classes d'inclusion. Okay. Voilà. Après, le reste, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui est fait, mais bon. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Marina, je suis la maman de 2 enfants, un bon Yanis qui a 4 ans et demi et qui est un petit garçon qui est polyhandicapé. Est-ce que tu dis bonjour ? Tu dis bonjour ? Bonjour ! Comment tu t'appelles ? Bonjour ! Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Tu t'appelles ? Ya ? Oui ! Quel âge tu as ? 4 ans ! 4 ans ! Bonjour, je m'appelle Enzo Tanner. J'ai 13 ans, je suis mon handicap, je suis cardiaque et aujourd'hui je suis là pour poser des questions à Marina. Comment êtes-vous concernée par la question de handicap ? Bien, j'ai un petit garçon donc, qu'on a vu tout à l'heure, Yanis, ouais. qui est polyhandicapé, qui a eu une malformation, enfin qui a une malformation au cervelet okay. et qui a eu une grave méningite bactérienne à 1 mois et demi, donc causant de... grave lésion cérébrale. Donc, nous parler de votre association. Alors l'association des rêves pour Yanis a été créée il y a 3 ans maintenant.
elle accompagne des familles et des enfants, hein, plus particulièrement en situation de handicap, dans le but de les rendre autonomes. Donc on finance des soins qui ne sont pas pris en charge, qui donnent des résultats très encourageants. On réalise beaucoup d'actions de sensibilisation au handicap. Et on informe voilà, les familles sur les méthodes complémentaires. On accompagne aussi beaucoup les familles sur des dossiers administratifs aussi, pour la DPH, la sécurité sociale, etc. Donc on essaye d'être présent le plus possible. C'est un travail à plein temps, mais on espère pouvoir aider le mieux possible les familles. On a créé des antennes là, en début d'année justement pour multiplier les actions de l'association pour aider le plus d'enfants possible, donc dans 4 autres régions de France. Ouais. Donc on espère encore s'agrandir dans les mois, les années à venir pour aider le plus de familles possible. Comment avez-vous adapté votre quotidien à la suite de l'annonce du handicap? Ben, j'ai déjà mis ma vie entre parenthèses, j'ai arrêté de travailler, enfin je suis toujours employée mais je n'ai pas mis les pieds à mon travail depuis 4 ans et demi parce qu'en fait Yanis nécessite un accompagnement au quotidien. Il a plus de 10 rendez-vous de rééducation par semaine, donc voilà. C'est beaucoup pas, hein. C'est ça, mais ça vaut le coup puisqu'il progresse bien grâce à toute la stimulation que l'on fait. Quelles ont été les difficultés rencontrées au niveau de l'inclusion scolaire? Alors j'ai pas eu trop de difficultés parce que c'est vrai qu'on a de la chance d'être dans une très bonne école où effectivement on a fait une demande d'AESH individuelle pour Yanis, mais ça se passe très bien. Donc Yanis est très bien accueilli, il a une très bonne maîtresse, une très bonne AESH, une très bonne ATSEM. Donc on a une bonne équipe de choc cette année, donc on n'a pas eu de difficultés. On espère que ça va continuer à l'avenir puisqu'on va augmenter le temps scolaire dès septembre prochain. Mais pour l'instant, tout va bien de ce point de vue-là. Pour l'instant, il progresse à son rythme, voilà. C'est ça, tout à fait. Bien. Avez-vous été accompagné pour cette inclusion? Si oui, comment? Non, j'ai fait une demande à la MDPH, hein, comme toute famille qui souhaite la présence d'une AESHI, hein, mais après non, je n'ai pas eu besoin d'accompagnement, sachant que comme je suis présidente d'une association, je connaissais déjà un petit peu la démarche à effectuer, donc j'ai été bien suivie, tout s'est bien passé. Ok. Qu'est-ce qui devrait être amélioré selon vous pour favoriser cette inclusion? Dans le milieu scolaire, en fait, il faut sensibiliser très tôt les enfants aux différents handicaps, visibles ou invisibles, que ça ne soit pas un sujet qui soit tabou. Il faut vraiment qu'il y ait des temps d'échange à l'école sur le handicap, qu'ils apprennent à accepter leurs petits camarades comme ils sont, avec leurs particularités. Donc nous, on a, avec l'association, on a créé et d'autres associations loiretaines, on a créé un livret de sensibilisation pour les écoles élémentaires, dans le but de leur parler de tout ça, parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Et donc c'est un petit livret très ludique, coloré, avec plein de petites anecdotes sur les 6 grandes familles d'handicap. On a fait aussi une exposition photographique pour faire changer justement le regard sur nos enfants et qu'on pose un regard bienveillant sur eux. Bah, c'est surtout qu'on peut être en situation de handicap à tout moment de sa vie et qu'il ne faut pas croire que ça concerne tout. Ça concerne que les autres parce qu'on peut avoir un accident. Et être paraplégique. Exactement, paraplégique, tout à fait. C'est à tout moment de sa vie, donc il ne faut pas croire qu'on ne peut pas être touché. Mais bon, voilà, l'empathie, malheureusement, on n'en a pas tous. Ouais. Et ça s'apprend. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser très tôt. Exactement, tout à fait. Quelles ont été les difficultés dans le milieu médical? Alors, le milieu médical, ça a été très compliqué parce que c'était un petit peu un parcours du combattant pour Yanis. Il a eu 11 opérations du cerveau, il a été 2 fois annoncé en fin de vie. Donc, on a un peu dû batailler, malheureusement, avec le corps médical pour que Yanis soit mieux suivi. Donc, on a même dû quitter la région pour avoir un autre suivi médical. Là, ils ont sauvé notre petit garçon. En fait, on a commencé très tôt des thérapies complémentaires en complément, enfin avec la kinésithérapie, l'orthophonie, qui sont des méthodes classiques là qui sont prises en charge, ou des méthodes qui ne sont pas prises en charge et qui donnent de très bons résultats. On s'est souvent heurté à l'incompréhension des médecins par rapport à ces méthodes qui n'étaient pas forcément connues parce qu'il n'y avait pas forcément d'études médicales et qu'elles n'étaient pas reconnues par justement la Haute Autorité de Santé ou l'ARS. Et en fait,
Maintenant, on commence à avoir un autre recul sur ces méthodes parce qu'elles donnent quand même des résultats très encourageants. Okay. Et on le voit d'ailleurs à Yanis, hein, qui n'aurait pas dû bouger, qui n'aurait pas dû parler, qui n'aurait pas dû aller à l'école. Voilà, on voit que ces méthodes, en complément des méthodes classiques et de la médecine traditionnelle, bien sûr, donnent des résultats. Du coup, enfin, il a eu beaucoup de chance d'avoir un maman comme vous, en fait. C'est gentil. Je ne sais pas s'il a eu de la chance, mais en tout cas, on s'est battu pour. Ouais. Et lui aussi, on a de la chance de l'avoir aussi. Et je pense qu'on s'est donné de la force mutuellement et de le voir déjà toujours en vie. Tous ses efforts. Voilà. Et de voir qu'il progresse chaque jour, en fait, ça nous booste à continuer parce que c'est un rythme qui est quand même très fatigant. Mais ça vaut le coup. Donc, j'encourage vraiment les familles à se renseigner voilà, sur ces méthodes complémentaires à la médecine classique, mais qui peuvent justement bien stimuler leur enfant parce qu'il faut les stimuler de façon précoce et adaptée. D'accord. C'était cool. Enfin, quel message voudrais-vous transmettre concernant l'inclusion des enfants en situation de handicap ? Eh bien, effectivement, qu'il ne faut pas douter de tous les progrès qu'ils peuvent faire, de tout ce qu'ils peuvent apporter aussi, s'enrichir mutuellement. Hein, parce que voilà, c'est des enfants, effectivement, j'ai dit, qui ont des particularités, mais qui apprennent beaucoup sur la vie, hein, qui donnent vraiment des leçons de vie au quotidien. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à la barrière du handicap. J'aime pas ce mot de différence qu'on emploie souvent, parce que je ne dis pas que c'est des enfants différents. Pour moi, c'est des enfants extraordinaires, voilà, qui sont une vraie joie de vie au quotidien et qui, voilà, il faut apprendre à connaître à qui veut bien le faire, mais il faut vraiment vivre ensemble, vivre mieux ensemble, donc et sensibiliser très tôt. Le handicap, c'est juste quelqu'un comme nous, mais avec des difficultés dans certaines matières. Exactement, voilà. C'est des particularités, en fait, qu'on a on peut avoir des difficultés dans certains moments de la vie quotidienne et on peut ne pas en avoir dans d'autres moments, mais il faut juste, on n'est pas tous... On est tous différents, même si j'aime pas ce mot-là. On est tous uniques. Je préfère ce mot-là que voilà, on est tous uniques. Donc, au point que les gens nous disent qu'on est différents, c'est compliqué. On est juste des gens comme vous, avec des difficultés. On est pratiquement uniques par rapport. C'est ça. On est tous uniques, en fait. Donc, chacun. On n'a tous pas la même vie, en fait. Voilà. Certains peuvent être sans une jambe ou être normal, on pourrait dire. Je ne vois pas cette truc en mode, lui, il a un problème de santé, ben on dit qu'il est différent. Ah non. J'ai du mal à comprendre. Ouais, c'est comme si on juge quelqu'un à sa couleur de peau, à son milieu social, à son voilà, il y a pas de, on est tous uniques et il faut. Il y a pratiquement de la discrimination. C'est ça. Mais il y a de la discrimination, malheureusement dans tous les domaines. Hein, ouais. Et ça, effectivement, c'est un travail qui doit se faire à l'école très tôt, dans le milieu familial, sensibiliser le plus tôt possible pour éviter justement tous ces préjugés et comme tu l'as dit, ces discriminations. Ouais. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, je m'appelle Mathilde Rétif et je suis chef de projet pour l'association Musée en Centre Val-de-Loire. Mm-hmm. Que faites-vous au quotidien ? Au quotidien, ma mission, ça consiste en plusieurs choses. D'une première partie, valoriser les collections des musées de la région. Mm-hmm. Rendre accessible et valoriser les actions des musées. Et mener des projets structurants qui rassemblent différents musées. Et l'un de nos projets actuels est le projet Musée et Handicap qui permet de rendre accessibles certains espaces, certaines collections de musées qui sont inaccessibles à certains types de publics en créant des visites 360. Quelles sont vos actions inclusives ? Et là, du coup, une de nos actions inclusives, cette fameuse visite en 360. On va pouvoir consulter, là elles sont encore en train d'être montées, et on va pouvoir les consulter sur tablette ou sur le site internet sans forcément avoir à se déplacer, parce qu'il y a des musées qui sont dans des très très vieux bâtiments qui n'ont pas du tout été conçus pour être des musées avant et qui malheureusement on ne peut pas faire de travaux dedans. Donc du coup ces visites virtuelles viennent un peu pallier le problème actuel. Ok. Et quelles sont les difficultés que vous avez eues pour mettre en place justement des aménagements pour les personnes en situation de handicap. Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Alors comme je vous disais, effectivement, il y a des quelques difficultés, notamment ces difficultés d'architecture où on ne peut pas des fois casser un château, par exemple, un château fort, on ne peut pas le casser pour le remodifier et le remodeler comme on le souhaiterait.
Par contre, la visite virtuelle est une solution temporaire, en tout cas. Là où c'était particulièrement difficile, et c'est les musées qui s'en chargeaient, c'était de savoir quelles étaient les œuvres sur lesquelles on pouvait avec lesquelles on pouvait interagir. Il fallait choisir celle qui était peut-être le plus pertinente, qui apportait un discours en particulier et qui était peut-être le plus illustratif de la visite. Quand on a par exemple des centaines d'œuvres dans une salle, laquelle est la plus intéressante, laquelle peut le plus parler à tout le monde. Et choisir aussi quelle salle à filmer. Okay. Exactement. Ah, bah, des fois, la question ne se posait pas, on filmait toutes les salles. Comme ça, c'est plus rapide. Ok. Alors, actuellement, on a un site internet qui est en refonte, mais lorsqu'il sera terminé, on pourra consulter ses vidéos en ligne, donc depuis chez soi, depuis son ordinateur ou sa tablette. On est en train de voir avec la société qui nous fait ces visites 360 si on peut les mettre sur une application. Et enfin, on propose aussi au musée d'acheter des tablettes, comme ça, et c'est possible de les consulter sur la tablette, sur place. Merci beaucoup, hein, pour votre témoignage. Merci beaucoup pour votre pour être Merci venu à vous pour votre engagement. Et une dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé réaliser mais que malheureusement vous n'avez pas pu faire, par exemple, je sais pas, à cause soit justement problème de place, architecture ou de budget. On aurait bien aimé pouvoir couvrir effectivement tous les musées. Et effectivement, on n'a pas le budget pour cette année. On n'a pas eu le budget pour pouvoir couvrir tout le monde, mais on redemande cette année pour pouvoir à la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui ont un fonds handicap. Donc on refait une demande pour pouvoir couvrir 6 autres musées. On espère à terme pouvoir couvrir tous les musées de la région centre pour pouvoir donner accès librement à la culture et aux musées. D'accord. Si je puis me permettre, une autre question. Donc, on a parlé du handicap moteur, entre autres. Mm-hmm. Mais est-ce que pour les autres types de handicap, je parle de handicap psychique ou handicap visuel, est-ce que vous avez aussi, est-ce que vous allez mettre en place des possibilités pour ces différents types de handicap? Dans certaines de ces visites, toutes les visites qu'on est en train de monter actuellement, il y a certains des cartels lorsqu'une œuvre est cliquable, pour pouvoir l'avoir un peu en haute définition. Mm-hmm. Lorsqu'une œuvre est cliquable, généralement, un cartel FALC, donc facile à lire et à comprendre, est affiché à côté. D'accord. Ensuite, pour cette mission en particulier, on n'a pas réfléchi encore à la question des handicaps visuels ou sensoriels, mais ça peut être une piste à creuser. On va rencontrer dans peu de temps un organisme qui justement travaille sur cette question des technologies sensorielles, donc peut-être ensuite peut-être faire un partenariat avec. D'accord. C'est des projets qui sont la question qui me venait en tête, c'est que pour des personnes qui sont déficientes visuelles, il est important de pouvoir toucher les œuvres, certaines œuvres. Donc je me demandais si du coup dans votre programme vous aviez évoqué la question de la possibilité, notamment au FRAC par exemple, de pouvoir appréhender les œuvres d'une autre façon que par le visuel. Alors, de toute façon, c'est une question qui évidemment se pose, mais là, c'est peut-être plus aux musées en eux-mêmes de réfléchir à cette question avec leur service des publics. D'accord. Pour réfléchir à ces questions. Effectivement, là, en plus, la possibilité de toucher les œuvres était un peu limitée avec la question de la pandémie. Bien sûr, là, c'est sûr. Mais c'est, je pense, quelque chose qui va devenir un enjeu majeur dans D'accord. les années qui arrivent. D'accord. Donc nous, on pourra s'associer au musée pour renforcer et pour venir créer un projet à échelle régionale. Mm-hmm. Mais à l'échelle des musées individuellement, on va dire ça comme ça, c'est à leur politique interne de réfléchir. Après, peut-être que vous pouvez juste les sensibiliser. Bien sûr. Voilà, lors de vos visites. Ou lors de journées d'études, voilà, d'échange, effectivement, on va faire une journée d'échange pour l'Université de Tours en septembre qui portera sur cette question de public empêché ou public éloigné. Ça peut tout à fait être un thème qui peut être abordé et pour lequel on sensibilisera, on aidera à la sensibilisation. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que notre association et d'autres sont très attentifs à l'accès à la culture, justement pour les personnes en situation de handicap. Voilà.
pour qu'ils puissent vivre une vie voilà, la plus normale possible et aussi dans les lieux culturels. Bien sûr, c'est une question vitale, je suis d'accord. Et donc si on veut vous retrouver, vous avez un site internet? Oui, on est sur donc notre site c'est Musée en Région Centre. D'accord. Et vous avez accès à, à toutes les actualités des musées du réseau. On ira vous voir alors. Parfait, on vous attend. Les enfants, vous avez d'autres questions? Comptez-vous, pas que le faire à Orléans, mais un peu partout en France? De quoi? Faire vos vidéos en 3D, les visites aménager en 360, les musées. En 360. Alors nous, on n'intervient pas directement dans les musées. Et on s'occupe des musées de la région. Donc si jamais on fait quelque chose, ce sera que sur la région, pas dans toute la France. Mais on peut en parler à nos collègues des autres régions. Ça, c'est pas un... Voilà, ça peut donner des idées. Alors là, actuellement, on a 6 vidéos qui sont en train d'être tournées, 6 visites virtuelles en train d'être tournées. Et l'année prochaine, on va faire une demande de subvention pour pouvoir tourner 6 autres musées. Donc petit à petit, on va essayer d'étendre notre champ d'action. D'accord. Ça serait quoi ce que vous voudrez faire comme autres musées? Ça serait lesquels? Ah là, on est sur un dossier top secret. Rien n'est encore fixé, mais ce sera rapidement dit. Donc, il faudra se tenir au courant. Il faudra venir voir sur notre site. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Bah moi je veux bien la En fait, mais pas assez connu malheureusement. C'est depuis 77. Oui. On a une là nous allons vous passer une nouvelle vidéo du micro trottoir d'une personne que nous avons interviewée dans le Carrefour Market d'Orléans. Voilà, c'est parti. Je choisis la fille. Allez, Rose. T'as choisi. Vas-y, Rose. Quel regard avez-vous sur le handicap? J'ai un regard bienveillant parce que je suis concerné par le handicap. J'ai été travailleur handicapé quand j'étais travailleur, ce qui n'est plus le cas puisque je suis retraité. Donc j'ai vu les grandes difficultés qu'on avait à se faire comprendre dans le milieu du travail et dans le milieu normal, parce qu'on est tout simplement différent. Et cette différence, elle ne devrait pas être une divergence entre les gens, ça devrait être une égalité. Il devrait y avoir une égalité de traitement, une égalité d'aspect au niveau de l'habitat, au niveau de la vie sociale, pour chacune des personnes, handicapées ou pas. Pour vous, c'est quoi l'inclusion, l'inclusion dans le milieu social, médical, les loisirs, la famille Eh bien, c'est que tout ce qui est fait pour l'être humain soit fait aussi pour les personnes qui ont un handicap. Que tout soit adapté, qu'il n'y ait pas de difficulté d'accès, ni à la lecture, ni à l'écriture, ni au déplacement. Trouvez-vous que les enfants en situation de handicap sont bien inclus dans la société et pourquoi? Alors, je crois que la société les inclut de mieux en mieux. Car de plus en plus, elles ne sont pas exclues dans des situations d'instituts spécialisés, etc., etc., mais de plus en plus inclus parmi les autres. Mais il y a encore énormément de travail à faire, entre autres de travail de formation de tous les gens qui vivent au quotidien avec eux, pour que leur donner un maximum de chances d'être comme les autres en situation d'éducation, y compris sportive. Dernière question. Connaissez-vous des dispositifs mis en place par la société pour favoriser l'inclusion de ces enfants? Alors, il existe plusieurs dispositifs mis en place. D'abord, l'aide scolaire. Un certain nombre de personnes sont payées, très mal, pour accompagner les jeunes handicapés au sein des écoles primaires, secondaires, également au niveau des collèges. Il y a également des classes avec un encadrement spécialisé dans les collèges qui est mis en place et qui de plus en plus maintenant donne une possibilité d'inclusion dans le monde social à ces personnes handicapées. Puis, au travail, il y a des lois qui oblige les entreprises soit
à prendre des travailleurs handicapés, soit à payer très cher le fait qu'ils n'en ont pas. Merci. Mais c'est un plaisir. D'accord. Plaisir partagé. Merci. Continuez bien. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter ? Oui, bien sûr, bonjour, je m'appelle Bénédicte, je suis la maman de deux jumeaux, dont le petit qui est à côté de moi, qui s'appelle Enzo, qui est en situation de handicap. Comment êtes-vous concernée par la question du handicap ? Alors la question du handicap, elle s'est posée très tôt, puisqu'Enzo est né handicapé, même que j'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est comme ça. La question s'est posée tout de suite, c'est comment on va faire pour le mettre à l'école, sachant qu'il avait beaucoup de soins tous les jours, et que l'école, pourtant, à 10 mètres de la maison, c'était compliqué. Comment avez-vous adapté votre quotidien suite à l'annonce du handicap ? Alors, on a arrêté de travailler, déjà, pour pouvoir se consacrer essentiellement à Enzo, qui demandait beaucoup tous les jours, gastrostomie... soins, surveillance cardiologique, etc. Les nombreux séjours à l'hôpital d'Enzo. Donc il a fallu vraiment qu'on adapte notre emploi du temps à la vie d'Enzo. Et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées justement à l'inclusion d'Enzo dans le milieu, dans la vie courante, l'inclusion quoi, au niveau scolaire, public et tout le reste? Alors Enzo, pour la scolarité, c'est vraiment été quelque chose de très chaotique, puisqu'Enzo était scolarisé essentiellement le matin, et que l'école avait défini que, même compte tenu des difficultés, Enzo passerait tous les niveaux scolaires. Donc on est arrivé au niveau 6e, et Enzo, après plusieurs examens, s'avère qu'il a un niveau CE2. Donc évidemment, c'est un grand écart. Donc au collège, il a fait le premier jour, et au bout de 24 heures, on a dit non, mais c'est plus possible. 2 heures de scolarité par jour, ce n'est pas adapté au collège. Donc il va vous falloir que vous trouviez vous-même des solutions pour remettre Enzo à niveau et pour que nous, on puisse s'adapter à Enzo. Donc là, pour l'instant, Enzo est scolarisé en CNED. Ce n'est pas le plus facile, pas le plus évident, mais c'est la meilleure solution pour qu'il puisse avancer un petit peu. Qu'est-ce qui devrait être amélioré selon vous pour favoriser cette inclusion ? Il faudrait déjà que le personnel éducatif soit à l'écoute des demandes et des besoins de l'enfant. Il ne rentre pas dans les cases, donc forcément c'est gênant. Il faudrait qu'on ait aussi, nous les parents, un suivi, parce qu'on nous a laissé un petit peu à l'abandon. C'est débrouillez-vous par vous-même pour trouver des solutions, ce n'est pas vraiment notre rôle. Donc on a plusieurs casquettes, on est maman, infirmière, maîtresse d'école. C'est pas l'idéal. Qu'est-ce qui devrait être amélioré selon vous pour favoriser cette inclusion ? Une meilleure mise en place d'un cursus adapté à ces enfants-là, parce qu'il n'est pas tout seul. Malheureusement, il y en a beaucoup. Et vraiment, il y a vraiment un gros problème d'adaptation du niveau. Des enseignants qui connaissent absolument rien, qui continuent leur programme même si l'enfant ne suit pas. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Avez-vous été accompagné pour cette inclusion ? Non, malheureusement, on est laissé à nous-mêmes. C'est dommage. On aimerait bien être aidé un petit peu de temps en temps. Et quel message aimeriez-vous faire passer transmettre à la société de l'inclusion et quel message voulez passer pour dire aux gens ce que vous pensez et peut-être informer ceux qui le veulent de ce qu'ils pourraient faire pour aider les autres, même les enseignants. Il faudrait informer, moderniser, mettre des outils à la disposition des enfants en situation de handicap et surtout faire une formation du personnel qui les entoure toute la journée. Donc là, si j'ai bien compris, en fait, Enzo ne va plus du tout à l'école. Non, il n'est plus du tout scolarisé. Il suit la scolarité non, à la maison. Tout. Voilà. D'accord. Donc il n'a plus de lien social. C'est ça. Donc ça, c'est très gênant. Puisqu'il se retrouve enfermé à la maison. Donc il n'a pas de vie sociale par rapport à son jumeau qui, lui, a une vie complètement différente. Donc ça pose des petits soucis d'adaptation entre les deux. Ils ne sont pas toujours d'accord.
Et le rêve d'Enzo, ça serait d'aller au collège comme tout le monde. Bien sûr. Enzo, est-ce que je peux te poser une question du coup? Est-ce que pour toi, comme disait ta maman, qu'est-ce qui est le plus difficile justement dans cet apprentissage un petit peu particulier? Pour moi, le plus difficile, c'est déjà d'avoir pas la même sensation d'être avec les autres élèves que être tout seul chez soi à travailler. Mmh. Alors que quand tu es avec du monde, tu pars, tu as quelqu'un qui est là à côté de toi pour t'expliquer. Si tu as des difficultés, tu peux demander à ton camarade. Là, non, tu es seul et c'est très compliqué de... Je trouve pas cet exercice, c'est compliqué. Alors que si j'aurais été à l'école, j'aurais demandé à une des personnes à côté de moi, ça peut être, tu peux m'aider pour cet exercice, c'est concret. Tout à fait. Et c'est la vie sociale que j'ai pas. C'est ça. Parce que du coup, comment tu as des copains? Tu as des copains? Franchement, non. Ouais. J'ai que des amis de mon frère, que je les ai jamais vus. Mm-hmm. J'y parle que grâce au réseau. Je me fais des amis en jeu, quand je joue aux jeux vidéo. Sinon, dehors, j'ai que mes voisins à peu près. Mm-hmm. Sinon, j'ai aucun vrai ami. Mmh. J'ai mes anciens, mais je les vois plus depuis 5-6 mois. Depuis la rentrée, je les vois plus du tout. Mmh. D'accord. Du coup, ouais, la vie sociale, elle est plus là, quoi. D'accord. Et, du coup, j'ai une question aussi pour toi, Enzo. Ouais. Est-ce qu'il y a une remarque d'une personne ou quelque chose qui t'a vraiment blessé ou marqué? Alors, qui m'a vraiment blessé ou marqué? Franchement, c'est j'en ai une qui est toujours dans ma tête depuis 2-3 ans. C'est j'allais ranger mon manteau et un élève était assez. Qui voulait vraiment passer en premier, il m'a dit dégage, sale handicapé. Ah. Je suis partie me plaindre à la professeure et qu'il l'a remis à sa place, on pourrait dire. Qu'il l'a engueulé. Et je crois qu'il a eu une punition. Et moi, c'est toujours resté dans mon. J'en ai eu plusieurs des insultes, c'est pas la première ni la. Et ça sera ni la dernière. J'ai juste celle-là qui est vraiment encore gravée dans la mémoire. Du coup, pour moi, c'est assez compliqué d'entendre tout le temps ces insultes-là à longueur de journée. Oui, tout à fait. J'en ai une à la fin de mon année scolaire. Je suis rentrée en 6e, mais un élève est venu me voir dans mon rang et est venu me dire « Oh, tu passes en 6e ? Vu comment t'as jamais été là toute l'année. » C'est pas de ma faute si j'y allais que 2 heures par jour, quoi. Je peux pas décider quand je suis fatiguée ou je ne le suis pas. Je peux pas décider mon année scolaire. Oui, tout à fait. Et ça aussi, ça me... Faut qu'on énerve là-dessus. Bien sûr. Je comprends pas pourquoi on fait du mal. On est juste comme vous, quoi. Bien sûr. Bah oui, mais tu sais, des fois, la différence, ça fait peur, quoi. Ouais, c'est ça. Pour les autres, on est différents. On a des difficultés, Tu te sens différent? Non, pour moi, je suis juste un enfant normal. Oui, d'accord, je peux pas courir comme les autres, je peux pas faire comme les autres, mais je suis un enfant normal. Je sais faire des choses. Je suis, voilà. Je sais, par exemple, me servir un verre, par exemple. T'es là aujourd'hui, tu fais de la télé aujourd'hui. Ouais. Je n'ai pas peur, je suis pas... voilà. Mais bon, pour les autres, je suis différent d'eux. Je suis quelqu'un... clairement différent, au final. C'est de l'intolérance. On dirait clairement que je suis fragile. Je suis beaucoup plus fragile que les autres. Après, c'est aussi une question de mentalité et de connaissance des choses, quoi. C'est ça. Moi, quand on me fait tomber juste un petit gros spot, j'en ai l'habitude d'en prendre... Parfois, quand je me tombe dans la rue ou quoi. Mais là, ça va. Mais ça va, c'est comme quelqu'un de normal. Je suis pas si fragile que ça. Mais les gens ne peuvent pas comprendre. Ça me gêne pas qu'on vienne me voir là-dessus. Mais parfois, il y a des moments où je suis un peu énervée parce que c'est bon. 5-6 personnes pour juste moi, où mon lacet s'est défait, je marche dessus, et 5-6 personnes autour de moi, c'est bon, une personne, ça me suffit. Oui. C'est ça, mon problème. 36. Après, j'ai l'hôpital qui est pour moi une habitude. J'ai encore quelques rendez-vous qui vont arriver. Mm-hmm. Il faut pas oublier une chose, c'est que toutes les sorties scolaires, Enzo en a été exclu. Oui, beaucoup. Puisqu'il fallait un accompagnant en permanence avec lui. Et si j'étais pas disponible, m'en excluait Enzo, c'était comme ça. J'en ai clairement une qui m'a vraiment marquée. On devait aller au musée des sciences à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Et ma maman ne pouvait pas accompagner. Et au final, je ne suis pas y allée. Et j'ai vu des vidéos des élèves qui ont fait plein de choses cool. Et moi, bizarrement, j'étais pas là. Je les entendais parler de ce qu'ils ont fait. Ils ont été sur un écran. Ils ont fait de la fond vert, ce qu'on appelle le fond vert. Et du coup, moi, j'étais pas là. Ouais. Ça m'a. Voilà. Je suis restée au fond de la classe, c'est-à-dire « Oh, c'était cool, c'était cool !» Ils ont vu des sous-marins là-bas.
des avions, des trucs comme ça, et moi, bah, je suis restée chez moi. Ouais. C'est, franchement, pour moi, c'était compliqué cette histoire. Ouais. Les seules sorties que je pouvais faire, bah, c'était obligé d'en avoir un accompagnateur. Même mon grand-père ne pouvait pas venir, c'était que ma mère obligatoirement qui pouvait venir. D'accord, ouais. Aucune autre personne de ma famille. Du coup, c'était compliqué. Et le problème, c'est que j'ai fait des crises d'épilepsie, toujours encore aujourd'hui. J'en ai fait une à l'école, c'est parti toquer, etc., etc. Vraiment, comme s'il y avait eu un mort, par exemple. Mais ça, c'est dommage. En fait, je fais tout le temps des crises d'épilepsie. Mais bon, les enseignants ne pensent pas, quoi. C'est pour moi, c'est un peu naturel d'en faire. Bah après, je monte tous les jours. Au niveau des crises d'épilepsie, je peux comprendre les gens qui viennent voir parce que ça peut être impressionnant quand tu ne connais pas. Ça peut être je suis d'accord avec toi. Moi, c'est des petites. C'est des vraiment c'est des micro-crises, donc c'est pas c'est non plus quelque chose pour toi, d'ingérable. Pour toi, mais des personnes. Tout cumulé, pour l'école, c'est impossible à gérer. D'accord. Alors moi, c'est clairement des tremblements. On a fait une demande d'ABS, ça a été refusé. Ah oui ? Pourtant, ça l'aurait bien aidé. Donc oui. Toutes les demandes d'aide ont été refusées. D'accord. On a une personne après les cours tous les mardis qui venait à 17h pour faire les cours. Ça a duré même pas un mois. T'as eu un sapade. Un sapade qui n'a pas duré puisqu'il n'y avait pas d'enseignante disponible pour faire un sapade. Oui, donc on ne vous a vraiment pas proposé de solution. Aucune solution pour venir en aide à Enzo. Et par l'intermédiaire de la MDPH, donc pas de possibilité d'avoir. Rien, MDPH, ils l'ont mis de côté, ils m'ont dit, ben, trouvez des solutions. Oui, trouvez des solutions. Oui. Mais c'est facile d'en trouver des solutions pour eux, pas pour nous. Donc on essaye. Mais ce qu'on entend bien, effectivement, c'est que. Dès qu'il y a une différence, on va dire, que ce soit de santé ou autre, du coup, il n'y a pas de solution proposée. Non. On laisse un enfant sur le côté de la route. Ah ben, on le laisse. Hein, voilà. Il se débrouille tout seul. S'il suit, je ne suis pas, c'est pas grave. C'est un petit peu dommage, dans les années 2020, qu'on laisse ces enfants-là sur le bord de la route. Quoi. Ils ont besoin, comme bien les autres, bien d'apprendre, d'avoir tout autant que les autres, bien sûr. C'est ce qui est le plus gênant à l'heure actuelle, c'est ça ? C'est le manque de relations avec les autres ? Pour moi, qui a été la difficulté que j'ai eue, bah, c'est que la moitié des personnes voulaient. Oui, c'était des camarades, mais parfois, je leur demandais de l'aide, ils ne voulaient pas. Quoi. J'étais pas. J'avais beaucoup de difficultés sur plein de choses, mais la professeure ne voulait pas le savoir. Quoi. Elle continuait à faire ses cours, alors que moi, je restais à l'exercice 1 et tout le monde était à l'exercice 6. Peut-être que j'étais un bon élève, mais parce que voilà, il y a beaucoup en anglais, j'en ai pratiquement jamais fait. Science, j'en ai pratiquement jamais fait. L'espace, je sais plus comment appeler ça. Tu faisais des maths, du français et un tout petit peu d'anglais le matin. Sinon, je faisais rien. Tu ne peux pas rattraper ce retard. C'est trop tard. Là, et quand on a demandé à l'école de me donner un support pour l'aider à travailler l'après-midi. Ça a duré 15 jours et au 16e jour, elle m'a dit non, mais vous comprenez, je peux pas m'en occuper. Oui. Alors on a pioché sur Internet, on a fait des cours sur Internet. On a essayé de se débrouiller avec nos propres moyens pour permettre à Enzo de ne pas être trop en décalage vis-à-vis des autres. Oui, c'est ça. C'est pas simple. C'est pas simple. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Une grosse incompréhension et méconnaissance de la part de plusieurs personnes qui sont censées normalement justement avoir un minimum, des bases de c'est connaissances ça. Sur ces genres de difficultés. Mais bon, enfin, au final, on se rend compte que les personnes n'ont, par exemple, les professeurs, même ceux, par exemple, les professeurs n'ont pas été formés pour ces genres de situations. Et même ceux qui sont censés apporter des choses qui sont censées aider la vie de de plusieurs personnes, comme par exemple la MDPH, limite pour avoir une petite aide, par exemple AVS, auprès de la MDPH, il faut avoir au moins plusieurs années de combat juste pour avoir une AVS. C'est tout à fait ça, tu as raison. Et encore avoir une AVS, mais bon, pas à temps plein, quoi. Non, c'est quelques heures par jour. Ouais, voilà. Mais il est là le problème. Il n'y a pas assez d'AVS pour ces enfants-là. Quand il y en a une, elle est partagée entre quatre classes. Une malformation des c'est personnes. C'est pas ça qu'on a besoin. C'est vraiment de quelqu'un ponctuel et avec l'enfant toute la journée. Moi, ça va. Dans ma classe, j'avais une personne qui était comme moi. Et la mère avait... Pas comme moi. Il était autiste, la personne.
Et sa mère a eu clairement de la chance d'avoir une AVS. Et puisque moi, j'en avais pas et que j'avais des difficultés, bah, j'allais vers cette AVS qui était très gentille et qui m'aidait. Mais moi, j'ai jamais pu en avoir une pour moi. Du coup, je comprends pas. Je suis mis à l'écart, en fait. Okay. C'est vrai que là, on parle beaucoup d'inclusion des enfants en situation de handicap dans la scolarité, mais c'est vrai qu'il y a énormément de progrès à faire. Oui, on est en retard. On espère tous qu'on va avoir les moyens de pouvoir inclure ces enfants, les enfants comme Enzo, oui, comme Wayam, comme Rose, Toussaint, dans un cursus scolaire normal. Normal. Et pas mis à l'écart comme on le fait à l'heure actuelle. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour eux. Tout à fait. Et le problème des enfants comme nous, bah on est beaucoup trop mis à l'écart par rapport aux autres. Pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'on est mis à l'écart. Vous êtes différents. On a du mal avec la différence. Le problème, c'est ça, c'est que la plupart des gens trouvent qu'on est beaucoup plus différents par rapport à un élève normal. D'accord, on a des difficultés, il faut faire travailler toute la classe, mais la plupart des enfants ont des difficultés, oui. Les enfants comme nous qui en ont encore plus, on fait pas trop attention. Exactement. Est-ce que du coup, l'idée de la solidarité entre élèves, de la solidarité et de la sensibilisation au handicap, ce ne serait pas aussi une piste de... Il faudrait la faire dès la maternelle. Bien sûr. Oui, tout à fait. Il faut bien faire comprendre aux enfants qu'ils ne sont pas plus différents qu'eux. Mais exactement. Puis chacun ils ont est juste différent, un petit peu de difficultés. Et si on les aide, ils vont y arriver. C'est ça. Mais dès la maternelle, on commence déjà à leur dire « Mais toi, tu n'es pas comme moi. » Voilà, c'est ça. Et puis, déjà, ils partent avec un double handicap. Et ça parle, ouais. C'est aussi pour les professeurs aussi, dès leur début de leur carrière, de les former et faire en sorte qu'ils puissent au moins gérer, au moins avoir les bases, quoi. Exactement. On devrait déjà former le personnel éducatif aux difficultés de ces enfants-là pour pouvoir les aider. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Moi, je trouve que dans le cursus des professeurs, donc, par exemple à l'IUFM, il faudrait vraiment une sensibilisation au handicap. C'est ça. Parce que ça commence déjà par là, de sensibiliser les professeurs au handicap. À la base. À la base, oui, tout à fait. Donc, Pour moi, il faudrait vraiment sensibiliser les professeurs ou les personnels. Et les enfants, les enfants aussi, il faudrait. Dès la maternelle, ils arrivent, on leur explique que avoir un enfant handicapé dans sa classe, c'est pas incroyable, faut pas laisser à l'écart, faut l'aider, ça sert à ça, qu'on appelle de l'entraide. Il a raison. Tout à fait. Non. Tout à fait. Non. C'est tout ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faut faire, mais pour l'instant, ça se fait pas. C'est ça le problème. On va t'engager, Enzo. Ouais. Dans notre équipe. D'accord, pas de soucis. Je suis prêt. Je crois qu'Enzo, il serait capable de faire beaucoup de choses. Oui. On en a la preuve, là, aujourd'hui, en tout cas. Il en fait déjà des choses. Ouais. Ouais, surtout vous. Moi, je suis le livre. Tout à fait. On fait déjà beaucoup. Un petit mot pour terminer, peut-être. Je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de s'exprimer et d'essayer de faire avancer un petit peu les choses pour ces enfants-là. Je vous remercie beaucoup. Oui. Et de dire tout ce qui ne va pas, en fait. D'expliquer ce qui ne va pas. D'expliquer, oui, je pense, d'expliquer. Et puis de ne pas lâcher, parce que, voilà. Il ne faut pas abandonner. Un combat qui est long, mais qu'on ne lâchera pas, en tout cas, au sein de notre association. Ça risque de durer très longtemps, au final, ce combat. Il va nous aider. Oui, je suis prêt à vous aider. On lui fait confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Ouais. Chouette, hein? T'as vu quand t'as causé? Du coup, nous allons passer de nouveau une autre personne que nous avons aussi interviewée au même endroit, au Carrefour Market. Voilà. On a envie de les aider et pour moi, franchement, ça, il ne me dérange pas. Dans la société en général, il ne me dérange pas. Pour vous, c'est quoi l'inclusion? Donc l'inclusion, je pense que c'est une bonne initiative d'inclure les personnes handicapées dans la société, que ce soit au niveau du travail, des écoles ou autre, pour leur permettre d'avancer d'eux-mêmes et de leur donner un peu de... qu'ils soient un peu fiers d'eux et qu'ils puissent y arriver. Pensez-vous que les enfants en situation de handicap
sont bien inclus, que ce soit dans le milieu social, public, scolaire, les médicaments, tout ça. Alors, moi, je pense qu'au niveau scolaire ou même autres structures, ils ne sont pas assez accompagnés en général. Niveau professionnalisme, je trouve que c'est trop... c'est blâmé, en fait. Il n'y a pas assez de structures à ce niveau-là et ils ne sont pas assez aidés. Connaissez-vous les dispositifs mis en place par la société pour favoriser l'inclusion des enfants dans l'école? Alors malheureusement non, je ne suis pas informée assez à ce sujet pour répondre à cette question, je suis désolée. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci de rien. Bon courage. À vous. Handicap. C'est difficile comme question, c'est très difficile. Alors, il y a beaucoup de handicaps qui existent. Et ce que je pense du handicap, c'est que je crois faire au mieux, mais je suis sûre que je ne fais pas au mieux. Voilà, parce qu'il y a sûrement des gens que je blesse sans le vouloir, parce que je ne connais pas leur handicap. Oui. Okay. Pour vous, c'est quoi l'inclusion? L'inclusion, c'est justement que chaque enfant ou chaque adulte d'ailleurs puisse s'intégrer, construire sa vie. Avec ses envies, mais avec son handicap aussi. Pour vous, est-ce que vous pensez que les enfants en situation de handicap sont bien inclus dans la société, dans le milieu familial, en tant que milieu public, scolaire Alors, moi je suis un petit peu... partagé parce que je pense qu'ils ne sont pas forcément bien inclus dans les milieux scolaires. Ça, c'est ce qui me touche le plus. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un n'est pas comme les autres, ça devient tout de suite très difficile. Donc on va vite vers l'exclusion, en fait. Il faut construire des contrats, demander au docteur et faire ceci et faire cela. Ce qui fait qu'à la fin, les jeunes se sentent exclus de fait. Ils se sentent différents de fait et du coup, ils finissent parfois par décrocher parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à tous les critères qu'on leur demande. Voilà. Et des fois, comme les enfants s'agrandissent vite, eh bien, on demande des papiers aux gens et le temps que les papiers soient faits, les aides ne sont pas mises en place et du coup, les enfants ne sont pas aidés dans le milieu scolaire. Connaissez-vous les dispositifs mis en place par la société pour favoriser l'inclusion des enfants dans le médical? Connaissez-vous des dispositifs mis en place dans la société pour favoriser l'inclusion des enfants? Eh bien, par la maison du handicap, eh bien, je crois que je n'en connais pas, si ce n'est toutes les associations. Et ce que vous faites aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très bien. Mais c'est souvent les gens ou les familles qui s'occupent, qui créent des associations qui permettent d'aider. Mais sinon, c'est vrai, j'en connais pas. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, bonjour. Bonjour à vous, les enfants. Bonjour. J'ai quelques questions à poser à Enzo en particulier. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, moi je m'appelle Enzo, je suis ambassadeur de la caravane des enfants et je suis handicapé, je suis dyspraxique et cardiaque. Ça doit te poser beaucoup de problèmes. Oui. Une autre petite question, pour toi, être en situation de handicap, ça veut dire quoi? Être une personne qui, pour certaines personnes, pour les gens comme... vous, par exemple, pour être, je pense, être un enfant handicapé comme moi, pour moi, ça veut dire juste être quelqu'un qui a des difficultés dans des matières ou dans le sport ou dans plein de choses de la vie courante. Et tu voudrais faire quoi? Je voudrais faire quoi? Bah, améliorer tout simplement le point de vue des gens envers les handicapés. C'est bien, ça, un vaste programme. Hein. Quel est ton plus grand rêve? Alors, en rêve de moi ou en rêve de ce que je voudrais faire améliorer?
Si c'est mon plus grand rêve à moi, que je rêverais de faire plus grand, comme métier par exemple, ce serait être collectionneur automobile. C'est bien. Un vaste programme tout ça, mon enfant. Ouais. Qu'est-ce qui te met le plus en colère ? Ce qui me met le plus en colère ? Dans la vie et à l'école surtout. Alors dans la vie, bah, un peu dans les deux, bah, c'est leur point de vue, qui pensent qu'on est différent. Moi, sortie de ma dernière opération, en fauteuil roulant parce que j'avais pas le droit de faire d'effort, je passe à la caisse et tous les jours te fixent, te regardent mal en mode qui c'est cette personne, comme si j'étais un extraterrestre qui venait de, bah, de Mars, façon de parler. Pour les gens, j'étais différent, alors que je suis juste en fauteuil roulant, ça arrive. Hein. Après tout, vous, ça peut très bien vous arriver, vous faites une mauvaise chute en moto, et hop, vous vous retrouvez paralysé à vie. Voilà, c'est ça, même tomber ou quoi, retrouver paralysé à vie, ça vous a très bien vous arriver. Alors pourquoi vous me fixez comme ça ? Ça, c'est un truc que je comprends pas. Après, aussi au niveau du pourquoi vous me fixez comme ça, moi aussi, de temps en temps, quand je vois une personne, ça m'arrive de regarder la personne, mais en fait, c'est surtout que quand on voit une personne en fauteuil roulant, on regarde la personne parce qu'on est intrigué, on se demande... pourquoi elle est en fauteuil roulant, on essaye de deviner, enfin, on ne sait pas trop quoi penser en fait. C'est surtout ça aussi, pourquoi des fois les personnes... bon après ça dépend des personnes, il y en a qui ont un regard plus ou moins insistant et ça peut être plus ou moins gênant, mais je peux comprendre que des fois ça peut être très malaisant. Et à l'école, ce serait plus les insultes que tu reçois en tant que handicapé. J'en ai beaucoup, pendant toute mon année scolaire maternelle, j'en ai beaucoup reçu. Et ça a tendance beaucoup à me faire en colère et j'espère pas que d'autres personnes comme moi, en tant qu'handicapées, vont être amenées à avoir eu des insultes comme ça. Personnellement, je n'aimerais pas. Quel message voudrais-tu faire passer à la société ? Un message que j'aimerais faire passer à la société. Aider les handicapés comme moi et... franchement, un message que j'adorerais faire passer, bah c'est l'entraide. Moi, j'aimerais qu'on s'entraide tous, qu'on ne trouve pas différents et qu'on s'entraide entre nous. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est différent que les autres. Si je comprends bien, avoir un peu plus de tolérance. Quoi. C'est ça. Que les gens... J'avais bien compris le message. Ouais. Yann, tu veux rajouter quelque chose ? Oui. Oui, j'avais une question... Quand tu parlais de tes plus grands rêves, hormis le métier, il n'y aurait pas une chose que tu aimerais faire, par exemple, dans le milieu sportif, des choses que tu aimerais faire, mais que tu ne peux pas faire, justement, à cause de tes difficultés. Le football, je ne pourrais franchement pas en faire. Rester 90 minutes à courir comme un dégénéré avec un ballon, ou même faire du rugby ou n'importe quel sport physique, je ne pourrais pas en faire. Je me fatigue trop, beaucoup trop. Je fais 100 mètres, j'ai déjà un point de côté, mon cœur qui palpite, je peux pas. Et même être pilote de F1, je pourrais pas, même si ça, c'est un de mes rêves aussi. Mais du coup, ça te vexe au quotidien. Ah oui. Et toi, Rose, on t'entend pas. Ouais, allez. Un petit mot. Je suis sûr que t'as des questions et que t'oses pas le dire. C'est posé à Enzo, mais c'est pour vous trois. Hein, ouais, tu peux le poser à n'importe qui. Hein. Ouais. Bah, en vrai, j'ai pas vraiment de questions. Mais... Allez. Je suis sûre qu'elle en a une, mais elle ne veut pas le dire. Ah bon ? En vrai, dis-le honnêtement, allez. C'est pas quelque chose que tu aimerais changer, quelque chose que tu... Que tu veux voir évoluer Bah, moi, personnellement, ce que j'aimerais changer, c'est le regard des gens, souvent. Oui. Et aussi, bah, en vrai, souvent, les handicapés, ils sont mal inclus. Et c'est ça qu'il faudrait changer. Et moi, je trouve aussi que beaucoup d'handicapés sont mal dans leur peau. Mm-hmm. Bah, que tu te dis, tu peux parfois, à cause de ton handicap, te sentir prisonnier. Mm-hmm. Te dire que, y a des escaliers, mon ascenseur est en panne, bah putain, je peux pas sortir, voilà. Mm-hmm. Parfois, c'est des handicaps tout bêtes, hein. Être en béquille ou se casser une jambe, ou que des petits trucs comme ça, bah tu te dis, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. C'est franchement. Ça peut être tout stupide. Donc. Et comme a dit Rose, changer le regard des gens, que les gens arrêtent de nous prendre pour des différents en fait. Je sais que je dis souvent ce mot, mais c'est un peu ce que beaucoup de gens pensent de nous. Divergents.
Et voilà. Aussi des moins rien, oui. Aussi, parce qu'il y en a qui, voilà quoi. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent bien faire, mais qui en font trop. Ouais. Il y en a qui veulent bien faire, mais ils n'ont pas le juste milieu, quoi. C'est ça. Et des fois, ça peut être vraiment agaçant. C'est l'environnement aussi qui handicape beaucoup. Plus que le handicap par lui-même. Ah, c'est ça. Ouais. C'est là où tu es. Ouais. Que tu... L'environnement. Ouais. Quand tu es dans l'appartement et que tu es en fauteuil roulant, bah, faut soit appeler des voisins pour t'aider, soit avoir un ascenseur, mais si tu n'en as pas, bah, tu es foutu en final. Mais même dans la ville. Hein. Ouais. En ville, tu as beaucoup de trottoirs qui sont trop hauts, ou que ce n'est tout simplement pas adapté. Les salles de concert, parfois même des épiceries, des magasins ne sont pas adaptés aux fauteuils roulants. Ouais, les commerçants. Oui, c'est ça le problème. Sauf que l'État ne fait pas d'aide là-dessus. Refaire les trottoirs, par exemple, là, là je trouve que c'est haut, tu peux pas passer en fauteuil roulant, c'est une galère. Pareil pour certains restaurants, tu peux pas. Ouais. T'as des escaliers, c'est tout, t'as pas de rampe, t'as rien. C'est vrai, mais ça c'est le genre de truc-là, s'ils refaire les trottoirs et tout. Ça, c'est le genre de truc qu'il aurait fallu faire dès le début. C'est parce ça. Que une fois que c'est construit, on va pas. Enfin, je peux comprendre certaines personnes parce que si. Tout recasser pour tout reconstruire, c'est aussi un investissement. Oui. Ça, c'est le genre de truc qu'il aurait fallu réfléchir dès le début. Donc voilà quoi. Fait, en fait. Si dès le début les personnes avaient déjà un minimum de connaissances, ils y auraient normalement pensé. Ouais. Et ça coûte moins cher. Hein. Ça coûte moins cher quand c'est pensé avant la construction que après. Mais il y a beaucoup d'endroits où tu as juste à creuser. Hein. Ouais, mais bon, juste creuser, il y a la location des tractopelles et tout le matériel. Mais quoi. Franchement, si tu pouvais faire changer des choses, je tenterais tout pour le faire. Mais bon, comme on dit, je suis pas Superman, je peux pas tout faire. J'essaie juste de faire ce que je peux, quoi. Vous avez d'autres questions? Oui, j'en ai encore une. Vas-y. Très importante, okay. À mon avis. Si tu avais le président de la République en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Là, s'il y a Emmanuel Macron en face de moi, qu'est-ce que je voudrais lui dire? Franchement, améliorer les établissements scolaires. Beaucoup mieux éduquer que ce soit les enfants ou le personnel. Améliorer avec des rampes, des trucs comme ça pour les handicapés, pour les gens en fauteuil roulant comme ça, et tout former, tout refaire en fait, ça serait mieux à faire. Juste donner quelques améliorations aux établissements. Je sais que ça va être très gros à faire, mais une fois que c'est fait, t'auras plus beaucoup de problèmes là-dessus. Et ça serait faire aussi des stages de, comment on appelle ça, de prévention au niveau des enfants. Ça serait beaucoup. De faire comprendre qu'un enfant fauteuil roulant, il faut l'aider. Parfois, genre, je vois beaucoup de gens, par exemple, ce qu'on appelle des expériences sociales. Ben, quand quelqu'un, par exemple, la plupart du temps, quand quelqu'un galère à pousser une autre personne en fauteuil roulant et qu'il demande aux autres, ben, les autres, ils disent « non, j'ai pas le temps », par exemple. Ouais. Alors que la personne est en montée, elle peut pas tout le temps porter un fauteuil roulant, le faire rouler. Ouais. Et personne va venir l'aider, en fait. Mais bon, après, ça, c'est la mentalité. Quoi. Ouais, et ça aussi, c'est la mentalité qu'il faudrait faire évoluer. C'est le style de vie des gens qui est très important. Ouais. Franchement, oui. Et toi, si tu avais un message à dire à notre président, qu'est-ce que tu dirais? Oui, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, ce que je lui dirais, c'est qu'il faut qu'il apprenne à faire craquer le portefeuille et qu'il fasse les aménagements qu'il faut, quoi. Faut pas qu'il reste dans son petit nid douillet là avec plein de billets et qui pense à le faire craquer pour les aménagements que bon bah voilà quoi, à un moment donné il faut apprendre aussi à dépenser. Alors pour l'instant faire craquer le portefeuille avec le Covid je ne pense pas parce qu'il a déjà quand même bien fait craquer hein. Mais ouais, si on arrive à retrouver quelque chose de vraiment stable où il commence à rapporter des millions et des millions, ça serait bien de les réinvestir dans plein d'aménagements possibles. Beaucoup mieux à faire. Et toi, Rose. Allez, Rose. Ce que je dirais au président, c'est qu'il change le regard des gens. Enfin, c'est pas possible, mais que ça change un peu. Que tu fasses, que le Macron fasse un discours pour faire en sorte que de changer le regard, en fait, c'est ça? Oui, voilà. Le regard est très important. Ouais. Oui. Bah, c'est ça le souci, c'est que le regard peut et fait plein de choses.
ça accentue encore la différence. Si toutefois, il y a une différence. Oui. Ça, c'est... D'autres questions ? La porte qui dans la salle ? Non ? Il y a pas... Oui, j'avais quelques questions. Oui. Bah, je suis... on est prêt à y répondre. Une question de Thibaut. Ouais. Comment décririez-vous le handicap ? Comment décririez-vous le handicap ? Ouais. On fait... Chacun dit ce qu'il pense. Oui. Moi, je dirais... Comment je devrais décrire mon handicap à moi ou l'handicap des personnes ? Si ce ouais. serait le mien ? En général, je pense. En général, je pense que l'handicap, en général, c'est avoir un peu plus de difficultés dans, tout ce qui, dans le quotidien ou même dans tout ce qui est scolaire et que les gens te sentent plus différent en étant handicapé. Voilà comment moi, je le décrirais. Toi, Rose ? Comment tu le décrirais ? Bah... Je sais pas comment l'expliquer, mais... C'est... Dis les mots, t'inquiète. Comment décrire le handicap ? Bah, dans la rue, par exemple, on va plus dévisager quelqu'un en fauteuil roulant que quelqu'un où ça se voit pas, vu qu'on va pas le voir. C'est comme ça que je le décris. En vrai, c'est vrai. C'est ça le pire, c'est que c'est vrai. Moi, le handicap, je le décris, c'est quelque chose qui nous empêche à avancer, c'est un obstacle qui nous ralentit dans la vie quotidienne, quoi. D'autres questions sur le chat ? Oui, il y avait d'autres questions. Là, on demande comment on va. Est-ce que vous allez bien ? Franchement, oui. Bah oui. Oui. Pour le moment, oui. Vous sentez bien dans votre peau ? Content d'être là ? Oui. Oui. Hein ? Vous sentez bien dans votre peau ? Moi, je suis content d'être là pour déjà tenter de faire avancer les choses. Tout simplement. Vous avez le bonjour de Benjamin. Bonjour. Bah, bonjour. Bonjour. Bonjour, Benjamin. Alors, il y a Hans Smolich, je ne sais pas qui c'est, mais il était déjà vu sur le chat, qui parle beaucoup d'accessibilité des transports. Oui, c'est vrai que oui, on n'y a pas pensé, oui aussi. Mais oui. Le métro, les trams, justement, les bus, par exemple. Justement, j'ai une petite anecdote qui s'est passée, c'était vendredi. Moi, souvent, je prends le bus et il y a un groupe de personnes qui ont des difficultés moteurs et handicap. Et justement, une petite anecdote. Y a une personne qui est en fauteuil roulant, du coup elle rentre dans le bus, le trajet se passe bien, et au moment du retour pour sortir du bus, la conductrice a perdu au moins 5 minutes, et quand je dis 5 minutes c'est un peu plus, à essayer de faire sortir la rampe de l'accessibilité parce qu'il y a eu un problème de calibrage au niveau de la rampe d'accessibilité. Ce qu'elle faisait, c'est que la rampe elle rentrait, elle ressortait. Et la dame avait galéré à pouvoir, enfin la personne en situation de handicap avait galéré à sortir. Elle a dû faire pencher le bus dans tous les sens pour que la personne puisse sortir. Au final, au bout de 5 minutes, voire un peu plus, la personne a enfin pu réussir à sortir. Mais voilà quoi, c'est le genre de truc quand t'es à la place de la personne, je pense qu'elle devait se sentir un peu pas bête, mais voilà quoi, c'est. Un moment de solitude pour la personne, je pense. Tu peux même parler de ça aussi, remettre. Mettre, comme tu as dit, les rampes d'accessibilité en meilleure marche, quoi. Ils sont déjà en meilleure marche. Mais enfin, c'est surtout que. Les faire les révisions, quoi. Faire des révisions sur les. Même sur les objets du quotidien. Autre question. Il y avait une autre question, alors de Thibaut. Mmh. De Thibaut, que vous connaissez très certainement si vous écoutez un peu notre radio. Donc, il demande quel message vous faire passer à M. Macron, ou vous avez déjà répondu. Il demande est-ce que vous faites de la musique ? Qu'est-ce que vous faites de la musique ? Alors, personnellement, moi je fais pas de musique, je ne chante pas parce que je chante comme une casserole. Au niveau musique, je fais pas de guitare parce que je sais pas en faire, mais. De temps en temps, j'essaye de faire. J'essaie de trouver des applis, mais bon. La plupart du temps, soit c'est payant, soit elles sont nulles. Enfin, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses qui pourraient faire en sorte de faire de la musique. Moi, par exemple, avec mes difficultés, j'ai des difficultés au niveau de la coordination, tout ça. Donc, tout ce qui est guitare, piano, des trucs comme ça, c'est assez dur à comprendre. Et puis, même apprendre déjà les partitions, les notes, les choses comme ça, voilà quoi. C'est vraiment compliqué. C'est ça le problème, c'est qu'on est tous à peu près dispersés. Moi, j'ai aussi des problèmes au niveau des jambes.
Genre, j'arrive, quand je descends l'escalier, bah, au lieu de mettre un pas après l'autre, bah, je mettais mon droit en premier, mon gauche, mon droit en premier, mon gauche, tout le temps. J'ai appris qu'il y a un an de faire comme tout le monde. Pareil, quand j'écris, bah, je mets mon E, il y a un S à la fin, bah, je le saute parfois. Ou il y a un B, mais il y a le L avant, bah, je mets le B alors qu'il y a le L avant, j'oublie, par exemple. Que des problèmes de ça, en fait. Que des petits trucs comme ça du quotidien, mais qui peut être assez énervant. Et je fais beaucoup de fautes, je l'avoue. Il y a une autre question. Pour l'instant, il n'y a plus de questions. On attendra un peu, hein, ça va. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup d'autres. Espérons. Ouais, espérons. Et on va lancer une petite vidéo. Ouais. Il nous manquait, donc c'était la vidéo de. Une radio trottoir Pauline. Non, même pas. Et aussi, j'ai une question pour les personnes du chat aussi. Si vous avez aussi des connaissances ou des choses que vous aimeriez avoir un peu plus d'infos, des questions que vous posez, que vous n'y pensez pas forcément à vous renseigner. Je m'appelle Maëva, je suis animatrice à l'école du Bourg de Saran, primaire. J'accompagne Yanis depuis 2 ans sur les temps périscolaires, donc matin, midi et le soir. Très bien Maëva. Comment tu es toi en tant qu'animatrice périscolaire concernée par le handicap et qu'est-ce que tu peux proposer quotidiennement à Yanis que tu accompagnes donc depuis 2 ans maintenant? Eh bien, avec lui, on essaie de faire des activités adaptées à son handicap et essayer de l'inclure dans des activités avec d'autres animateurs et d'autres enfants. D'accord, c'est-à-dire que tu emmènes Yanis en activité avec d'autres animateurs, tout en restant avec lui et en l'accompagnant, c'est ça? En l'accompagnant parce qu'il a un temps de concentration plus petit qu'un enfant de cet âge-là. Donc, du coup, il va faire l'activité pendant quelques minutes et puis au bout d'un moment, il va en avoir marre, vouloir changer à les dehors. Donc moi, je l'accompagne tout au long du tour. Très bien. Yanis, oui. Coucou. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais le midi comme jeu avec Maëva? J'ai mangé des gnocchis. Ce midi, tu as mangé des gnocchis, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais comme activité avec elle? À quoi tu joues le midi avec Maëva? Marionnettes. Tu fais des marionnettes? Des histoires. Au château d'étang. Des histoires. D'accord. Donc ça tu. Sonne. Ça sonne, oui. C'est la sonnerie. Maëva, si tu devais nous parler des difficultés que toi, tu peux rencontrer sur les temps de loisirs que tu proposes à Yanis, mais est-ce que tu pourrais aussi nous parler des éventuelles difficultés qui peuvent se produire suite à l'annonce du handicap, au niveau par exemple médical, au niveau familial, au niveau scolaire? Enfin, est-ce que toi, qui es depuis 2 ans au quotidien avec Yanis, qu'est-ce que toi, tu peux nous dire de ces difficultés qui sont souvent... Alors au début, bah, il y a 2 ans, moi, je n'étais pas formée du tout pour ce poste. Donc, j'ai dû me renseigner sur Internet, dans des livres. Avec la maîtresse aussi, on en discute beaucoup, qui est une enseignante de Ulysse, classe Ulysse. Et avec la TSEN qui l'accompagne, donc on discute beaucoup. Et des fois, au niveau d'activité, bah, il faut savoir ce qu'il aime, il faut savoir... le temps de concentration, il y a plein de choses à savoir, il faut toujours s'adapter pour ses enfants. D'accord, donc toi, en résumé, tu as beaucoup été accompagnée par l'enseignante de la classe Ulysse, l'ATSEM de Yanis, Véronique, et puis après par toutes les documentations que tu as pu trouver, si je comprends bien, seule. Oui, c'est ça. D'accord, donc tu dirais qu'aujourd'hui, ce qui manque peut-être... ça serait une formation? C'est ça, ça serait des petits moments de formation adaptés, je pense, que même pour tout le monde, même s'ils ne s'occupent pas forcément d'un enfant, au moins ils ont cette petite formation-là et qu'on puisse au moins, le jour où je suis absente, eh ben, y a quelqu'un qui pourra quand même s'occuper
de Yanis ou d'un autre enfant de... Et toi qui côtoies des familles d'enfants porteurs de handicap, si tu devais résumer leurs difficultés, qu'est-ce que toi tu pourrais nous en dire de par les échanges que tu as pu avoir avec ces familles? Que les délais de diagnostic, et des fois, on ne s'en rend pas forcément compte au début. Les parents, ils ne veulent pas forcément mettre un mot sur ce que l'enfant a. Ils vont dire que c'est une passe, que ça va leur passer, alors qu'on voit qu'il y a des signes qui prouvent qu'il faudrait qu'ils arrivent à passer outre. Voilà. Oui, ce que tu veux dire, c'est que les délais de diagnostic sont trop longs pour ces familles. Voilà, c'est une difficulté supplémentaire déjà dans l'acceptation du handicap. Oui. Et au niveau des loisirs qui sont proposés à ces enfants, qu'est-ce que toi tu peux en dire? Après, en tant qu'école, nous, on a pas mal de choses à disposition, donc on peut essayer de faire pas mal d'activités. Après, je sais qu'il existe des endroits de loisirs où ils sont adaptés aussi. Enfin, il y a tout qui est adapté pour ces enfants-là. Pardon. Très bien. Yanis, oui. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous raconter, nous dire? Une histoire. T'as envie qu'on aille lire une histoire? Eh bien, très bien. J'ai fait clochette. Eh bien, je te remercie d'avoir bien voulu prendre du temps avec Maëva et moi pour discuter de toi un petit peu. Tu peux faire coucou, tu peux dire au revoir. Mmh. Et puis là, ça va être l'heure d'aller lire ton histoire. Eh bien, Maëva, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. On peut faire écouter la vidéo. Des questions à nous poser ou pas? Non, juste peut-être une petite remarque parce que je trouve que vraiment vous vous débrouillez super bien. Merci. Donc je pense que la relève est là et ça fait plaisir parce que un jour on raccrochera nos tabliers nous, donc ouais. il faut la relève pour mobiliser la et pour sensibiliser la société aux problèmes de handicap, en espérant qu'un jour ce mot handicap disparaisse de la circulation, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, le handicap, certes, mais c'est avant tout une différence, et je pense qu'on est tous différents. Ouais. Donc voilà, peut-être qu'un jour... Que ce soit mentalement ou exactement, physiquement. Exactement, on a tous des différences, voilà, il y a des petits, il y a des grands, et parler de handicap, je trouve que ça stigmatise beaucoup les personnes, donc... Peut-être qu'on arrivera un jour à une société où il y ait, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup plus de solidarité. C'est-à-dire que, voilà, aider une personne, je pense que ça aide bien sûr la personne, mais ça aide soi-même aussi à être quelqu'un de bon, de meilleur. Donc, j'entendais tout à l'heure beaucoup aussi Rose qui parlait du regard des autres. Et je pense que, voilà, tant qu'on aura ces regards qui font mal... il faudra combattre, il faudra essayer de faire changer les choses parce que c'est vrai que ces regards-là font très très mal. Et qu'un sourire, quand on voit une personne en fauteuil faire un petit sourire, je trouve que c'est beaucoup plus positif. Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? C'est vrai que ça peut intriguer. Moi, un jour, j'ai un enfant qui m'a dit « Ah, qu'est-ce qu'il est joli ton tracteur !» Et il m'a fait un grand sourire. Et du coup, effectivement, la façon... J'ai bien compris que pour lui, j'étais quelqu'un de différent. Mais il m'a dit que j'avais un joli tracteur et j'étais contente, si tu veux. Tu vois, c'est la façon dont on dit les choses. Ouais. Hein? Si on le dit gentiment et sans arrière-pensée, je pense qu'on peut passer un message qui est tout à fait positif. Ouais. Moi, il y a un truc que j'aimerais aborder, c'est les moqueries envers nous. Eh oui. Beaucoup de gens vont se moquer d'une personne gros, sans qu'ils savent tout simplement que ça le fait mourir d'être comme ça et que c'est pas sa faute. Hein. Bien sûr. Les gens ont tendance à se moquer beaucoup trop vite sans d'arrière-pensée. Parce qu'une personne qui est un peu forte, ça peut être aussi un problème de santé. Ouais. C'est pas forcément un problème de. Enfin, c'est pas forcément lié au fait qu'il mange beaucoup. Ça peut être aussi un problème de santé. Donc avant de.
de faire des moqueries de ce genre, il faut toujours se renseigner. Peut-être que la personne, effectivement, est malade et que, bah, du coup, elle n'a pas le choix, effectivement, elle est en surpoids. Par exemple, moi, j'ai entendu une histoire d'une personne, un grand catcheur français, mais qui a vraiment percé à l'international. Mm-hmm. Lui, il avait une maladie où, genre, par exemple, il devait avoir même pas 10 ans, il faisait 50 kilos, il pouvait porter deux fois son poids. Mm-hmm. La personne avait une maladie et à chaque fois, plus il allait être âgé, plus il allait être fatigué, mais beaucoup plus vite. À 30 ans, il était 30, je ne sais plus quel âge, je crois, 30 ou 40 ans. Il est décédé parce que son cœur a fait un arrêt cardiaque, il ne pouvait plus suivre. C'est ça. Mm-hmm. Une personne, vraiment, beaucoup de gens le connaissaient de ouf. Mm-hmm. Mais il a dû s'éteindre. D'accord. Et ça, c'était à cause d'une maladie. D'accord. Mais ça, peu de gens le savaient. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ça, franchement, je ne comprends pas que les personnes ont beaucoup trop d'envie, clairement, de se moquer. Mm-hmm. Je pense qu'ils veulent déferler leur haine sur quelqu'un qui n'a rien demandé. Tout à fait, je pense que l'agressivité, si tu veux, c'est souvent une agressivité que la personne elle a contre elle-même et puis qu'elle ne sait pas quoi en faire. Et elle va lâcher sur nous. C'est ça, exactement. Rose, tu as quelque chose à ajouter ou pas? Rose, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui. Ouais. Et toi? Je suis d'accord aussi au niveau de l'agressivité, mais après c'est aussi une sorte, on va dire, de moyen de défense face à l'inconnu et la personne, et face à une personne qui est différente. Et... du coup, c'est pas trop comment réagir et du coup, elle se met dans une posture de défense, d'agressivité pour dire à la personne, enfin, pas t'approche pas trop, mais voilà quoi, garde tes distances, on va dire. Mm-hmm. Donc c'est aussi un moyen de défense un peu inconscient, on va dire. Mm-hmm. Du coup, est-ce qu'on peut dire que l'ignorance, et justement l'ignorance de connaître des personnes en situation de handicap, ça peut générer de l'agressivité? Et que si on connaît des personnes en situation de handicap ou si on les voit partout dans la société, du coup, on va être habitué à les voir. Est-ce que, du coup, ça peut favoriser, justement, les relations normales? On va faire comme ils font avec le Covid, nous passer les chiffres, les messages de prévention tous les jours, mm-hmm. Faire la même chose pour choses, le faire aussi pour d'autres choses. Okay. Ils sont bien capables de nous radoter les mêmes choses avec le Covid. Pourquoi ils ne le font pas pour autre exactement, chose? Exactement, exactement. Des spots télé. Hein, voilà. J'ai une question à vous poser. Avez-vous déjà eu des remarques envers votre handicap ou votre physique? Oui, moi ça m'est arrivé aussi plein de fois. Même encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Alors j'ai une petite anecdote comme ça que je prends toujours un peu à la dérision parce que je crois qu'on n'a pas le choix. Ouais. Une personne qui m'adresse la parole. Ouais. Et en fait, elle me criait dans les oreilles parce que je pense que... Voilà, j'étais en fauteuil, mais je pense qu'elle pensait en même temps que j'étais sourde. Ouais, donc voilà, il y a une espèce de... Voilà, c'est ça. Moi, je vois ce que c'est d'être en malentendant c'est ou ça. Sourd. J'ai c'est mes cousins qui sont sourds. Voilà. Du coup, je vois ce que c'est. Mais voilà, on ne sait pas trop quand on me voit en situation de handicap, si j'entends bien aussi, si je comprends bien. Donc des fois, alors je joue un peu le jeu, des fois je fais celle qui ne comprend pas non plus. Donc, mais c'est vrai que ça peut être quand même très violent. Donc oui, ça m'arrive aussi, et puis il faut essayer de composer avec. Des insultes, vous en avez eu, même encore aujourd'hui? Des insultes, c'est plus rare. Par contre, oui, le fait qu'on m'ignore, c'est-à-dire que si je suis accompagnée, qu'on s'adresse à la personne... Dans un magasin... Pour demander une question, et puis au lieu de me demander directement à moi, ça c'est aussi, c'est très gênant, c'est très déstabilisant, parce que, éviter de me poser la question à moi directement, c'est compliqué à gérer ça. Et par exemple, dans des caisses où vous êtes derrière, vous, dans des caisses spécialisées, quand vous êtes handicapé, vous avez le droit de passer devant, vous dites excusez-moi monsieur, je peux passer devant. Ouais. La personne t'ignore et genre elle veut juste pas te laisser passer quoi. Oui, mais ça arrive très 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 fréquemment parce que à la limite, on m'a déjà dit écoutez, vous êtes en fauteuil, vous êtes assise, vous peinez pas. Donc c'est le genre de réflexion qu'on peut avoir. C'est très fort. Je pense qu'on pourrait écrire là-dessus un vrai roman. Il faudrait écrire un livre. Oui, il faudrait écrire un livre, c'est ça. Pour toutes les remarques qu'on reçoit au quotidien. Exactement. Raconter notre histoire au final, chacun raconte son histoire. Des témoignages, Des témoignages bien forts. Exactement. Pour faire prendre conscience aux gens que Tout à fait. Alors moi, un jour, il m'était venu une idée, parce que tu sais, je ne sais pas si vous connaissez les bouquins qui s'appellent... je ne sais plus, tel ou tel thème pour les nuls. Tu sais, les bouquins qui sont jaunes et noirs. Ah oui. Et on pourrait faire un livre intitulé « Le handicap pour les nuls », par exemple. Tu vois, ça m'était venu
Voilà, ce serait une idée pour expliquer aux gens, voilà, qu'est-ce que ça fait. Mmh. Quand... Donc, je lance un appel, si les sons, il y a un écrivain qui veut bien faire un livre. Voilà, le handicap pour les nuls, voilà, avec il est le bienvenu. Un petit peu de dérision, je trouve qu'il faut toujours prendre du recul par rapport à une situation, ce serait... Moi, je vous en prie aussi... Donc, voilà, une idée. Je reste aussi dans le thème des moqueries, il y a aussi certaines personnes comme moi, qui, certaines personnes se moquent, qui gardent ça pour eux, mais qui laissent pas. Au niveau du trait du visage, physiquement, ça se voit pas que. C'est comme si eux ils s'en fichaient, mais au fond, ça, à un moment donné, qui accumulent et qui. Voilà quoi. Et des fois, ça, les gens, du coup, vu qu'ils le cachent, ils sont pas très expressifs, les personnes en face ne comprennent pas que c'est vexant, du coup, pour eux, c'est comme si ça faisait rien à la personne et du coup, ils continuent. Mais bon, voilà quoi, c'est ça. Ça peut, voilà quoi. Tout à fait. Oui. Donc, du coup, est-ce que Joanne, on arrive à la fin de notre émission? Petit mot de la fin, Annie. Un petit mot de la fin. Ben, moi, ce que je vais faire, je vais remercier tout le monde et puis après, je vous laisserai terminer parce que je pense que c'est à vous, ambassadeur, de clôturer l'émission. Donc, moi, je remercie. Nos techniciens qui ont vraiment été au top, tous nos partenaires, les bénévoles, toutes les personnes qui sont intervenues dans l'émission pour les interviews. Voilà, c'était un plaisir de partager tous ces moments avec vous tous. T'as une question de Benjamin? Ah, Benjamin, je t'écoute. Il a quand même. Si tu peux faire une présentation. Est-ce que tu peux faire une présentation du groupe Jeunes Centre de Val-de-Loire? Ça doit être ça, sa question. Ah, d'accord, oui, je peux. Okay, voilà. Je peux faire effectivement, donc au sein de la région. Et alors, même Benjamin, je vais faire mieux. Je vais appeler au micro Mathilde. Mathilde, qui fait partie du groupe Jeunes Centre Val-de-Loire. Mathilde. Donc Mathilde, bienvenue sur le plateau. Mathilde, bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire... Le micro comme il faut, je pense. Et la caméra. Pour des raisons de surchauffe. Voilà. Oui, parce que ça chauffe beaucoup au soleil. Hein. Ouais. Ça va, on est à loin. Vu, regarde comment ils sont... Ah ouais. Orienté bien, c'est bien en haut du soleil. Mathilde, tu vas pouvoir dire deux mots, ça va aller? Ça va aller, on va vite s'y habituer, vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'on peut, essayer de te rapprocher du micro. Allez, approche un petit peu. Mathilde, tu me dis, si tu as des difficultés, je prends la suite, t'inquiète pas. Donc Mathilde, j'annonce, Mathilde va présenter le groupe Jeunes. Donc, vas-y, Mathilde, est-ce que tu peux nous parler du groupe Jeunes Centre Val-de-Loire? Vous êtes quoi, à peu près une dizaine, non? Un peu plus? Un peu, pour nous. Un peu plus. Un peu moins. Un peu moins. Un peu moins. D'accord. 8 à peu près. Oui, à peu près. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous y faites à ce groupe jeune? Ce groupe jeune existe depuis 5 ans environ. D'accord. Alors, et on a fini un projet calendrier. D'accord. Où chaque jeune a une. Dans une photo pour le calendrier, et la vente des calendriers va permettre d'organiser une sortie pour permettre à des parents dont l'enfant est ensuite en situation de handicap. Et on permet de souffler un peu pendant une journée. On est en train de voir comment on va organiser cette journée. D'accord. Donc vous êtes très actif sur le Centre Val-de-Loire. Hein? Oui, il y a eu des vidéos pour la communication de ce calendrier. D'accord. On a vu des belles photos, tu vois. On a les cloches qui saluent le groupe jeune. Ça, un peu, voilà. C'était une façon de vous dire bravo, le groupe jeune. Voilà. Et est-ce que vous avez d'autres projets, donc à part ce,
ce calendrier, vous projetez encore d'autres actions ? Il y a un projet pour Coq qui a été évoqué, qui serait peut-être à Bourges, dans le cadre du printemps de la jeunesse. Le printemps de la jeunesse, oui. À Bourges, en 2022. Ouais. D'accord. Mais il est encore en cours de construction. D'accord. Bon, vous avez encore du travail, du pain sur la planche. Voilà. Hein? Super. Super. Ah ben, c'est génial. Super. Merci pour la présentation du projet. Hein. Voilà. Donc, hein, les jeunes sont en pleine action. Est-ce que le groupe jeune du Centre Val-de-Loire serait prêt à travailler avec le groupe jeune Île-de-France qui n'est pas encore monté, une fois qu'il sera monté? Attention, à travailler avec les Parisiens, tu t'engages, hein, attention. Hein. Alors, je vais pas. Je plaisante. Je ne sais pas si c'est un groupe, donc après, il faut consulter les autres et pourquoi pas monter une action tous ensemble. Mais à voir. Mais après, il faut la consultation de tout le monde. Voilà. Super. Donc, ce sera une réponse collective. Voilà, ce sera une réponse collective. Voilà, très bien. Donc, j'espère que Benjamin a eu les réponses qu'il voulait. Est-ce que Benjamin a la réponse qu'il voulait ? Oui, je pense. Ou alors il est parti fâché. C'est ça. Je crois qu'il a quitté le live, on ne sait pas. Ça fait un viewer en moins. Voilà. Donc je plaisantais. On travaille très bien avec nos amis de Paris et de la région parisienne. Pas confondre non plus. Voilà, exactement. À mon avis, il y a d'autres personnes qui ont des questions mais qui n'osent pas les écrire. Ah, peut-être, oui, peut-être. Ouais. Pour le moment, j'ai remarqué que Benjamin et quelques personnes qui... Il ouais. n'y a que 3 ou 4 personnes Mais on se pose des questions, n'hésitez pas. Il n'y a que 3 ou 4 personnes qui mettent des choses. Je pense des questions. En tout cas, pour finir, est-ce il que est les... Content, ah, il est content, Benjamin. Ouais, merci. Pour finir, est-ce que les enfants ambassadeurs, vous êtes prêts à recommencer l'expérience de la caravane l'année prochaine? Est-ce qu'on se redonne rendez-vous? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord. Oui. Avec plaisir. Avec un grand plaisir. Okay. Tous les trois, sûrement. Tous les trois. Attention, c'est un engagement vrai de vrai. Hein. Moi, je m'engage, voilà. Oui, moi, je m'engage. Super. On dirait qu'on s'engage dans l'armée, c'est bizarre quand même. Moi, je suis prêt. Hein. Bon, bah, on a déjà nos trois ambassadeurs pour l'année prochaine, c'est bien. Voilà. Hein? Super. Bon, on applaudit tout le monde. Hein. Et ben voilà. Merci à vous tous en tout cas pour votre participation, merci pour vos aides. Et merci aussi à ceux qui écoutent et qui regardent le live en ce moment aussi. Hein, ouais, faut pas vous oublier. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. C'est ça. Ouais. Voilà. On se dit à bientôt. Au revoir. À partir de 14h, je crois. 15h. Ouais. Je veux dire, on se retrouve à Blois demain. Ah, peut-être pas. Faut que je voie avec maman. Ok, hein? On l'a entendu. Allez, maman, à Blois demain. Non, le dire au micro. Le dire au micro? Ok, moi je veux bien. Je suis pas là. Tu pars avec eux. Ok. On se donne rendez-vous à Blois demain. Sur la chaîne Twitch. Sur la chaîne Twitch. C'est parti. À demain. Moi, je suis prêt à venir. Allez, venez. On y va. Que tu viennes de Paris ou de Marseille, on est tous issus de la même terre. Quand on est un enfant, la vie est belle. Le regard des gens, on n'en a rien à faire. C'est pour la mixité. C'est pour se mélanger. Plus que dans les cités. En passant par les beaux quartiers, de nos jours faut s'assumer. Ça change rien d'être handicapé. Chacun a des difficultés. C'est ensemble qu'on va le surmonter. La caravane des enfants, j'espère que ce sera plus comme avant. Dans nos têtes beaucoup de sentiments, et on veut que ça bouge vraiment. La caravane des enfants, on espère que ce sera plus comme avant. Dans nos têtes beaucoup de sentiments, et on veut que ça bouge vraiment.